Papi gene tolo de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi gene tolo de la vie. Tolo de la vie. Papi gene tolo de la vie. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne là? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne là? Je vois pas. Vous êtes là? Salut, vous m'entendez? Ah, mon vieux Adam Bombolé, bonjour. Vous m'entendez? Le son est bon? Je suis avec Mike Mukebaye au siège du G7. C'était à l'appel de l'opposition pour la déclaration, disons la communication en rapport avec le calendrier électoral publié hier par la CENI. Mais c'est un point de presse qui est reporté pour plus tard parce que selon ce que le porte-parole de l'UDPS nous disait, qu'il faut harmoniser les vues, il faudrait que voilà une concertation avant publication. Et bien bon, comme on se rattrape, Mike Mukebaye, journaliste engagé, et à son jeunesse engagé, terre à politicien engagé. Alors je suis avec Mike Mukebaye, deux, trois petites questions, Mike, avant de quitter le lieu. Alors on en profite. Calendrier électoral publié par la CENI hier. Vous avez suivi, c'est-à-dire la CENI a fait son travail, Mike Mukebaye. Non, il n'y a pas eu du tout de calendrier. Vous ne pouvez pas publier un calendrier et la sortir des contraintes. En fait, vous voulez préparer l'opinion à un nouveau report. Les contraintes sont de l'ordre de la compétence du gouvernement et des autres institutions. Donc ça signifie que s'il y a des problèmes d'argent, c'est au gouvernement de dire clairement s'il pourra y faire face ou pas. S'il n'y fera pas face, alors il faut voir avec nos partenaires en bilatéral et en multilatéral comment mobiliser de l'argent. Comment vous pouvez, dans un calendrier, dans les annexes, parler de contraintes d'ordre juridique? Est-ce que l'adoption d'une loi en démocratie dans une république est une contrainte ou c'est un acte ordinaire de législation? Adopter la loi sur la répartition des sièges est considéré par Corneille Nanga comme une contrainte, vous imaginez un peu. En fait, il en rajoute, il en met pour vous dire que le processus est très lourd et que si demain je ne peux pas organiser les élections au 23 décembre 2018, comprenez-moi, les contraintes n'auront pas trouvé de réponse. Mais parlons des contraintes. En ce moment où nous parlons, toi et moi, ici, sur le 300 millions de dollars attendus pour le financement du processus électoral en 2017, de Sami Badibanga à Bruno Tshibala, il n'y a que 70 millions de dollars qui ont été dépensés. Donc il n'y a pas de volonté. Et quand on interroge Mende sur la question, tu l'as entendu reconnaître qu'il y a un problème d'argent? Il dit que non, il y a de l'argent et nous finançons la CENI. Et quand on donne la parole à Kalamba, qui est le rapporteur de la CENI, il couvre le gouvernement. Il ne dit pas clairement que l'argent fait défaut. Sur le bureau à ouvrir dans le Kassai, 822 bureaux attendus au total. 515 ne sont toujours pas opérationnels à ce jour. Sur les objectifs de la CENI dans le Kassai, 12% seulement ont été atteints. Et nous sommes déjà au mois de novembre. La question à poser à Nanga, est-ce qu'il est en mesure de nous dire quand il va boucler l'enrôlement dans le Kassai? Il n'est pas en mesure de nous le dire. Donc en fait, nous n'avons pas un calendrier devant nous. Nous avons un enchevêtrement des dates et puis de l'autre côté des contraintes. Et le moment venu, on vous dira que l'argent n'a pas été décaissé à temps. Et au moins, Kabila aura obtenu quelque chose. C'est ce qu'il cherche à obtenir, c'est de contourner le 31 décembre 2017. Comme il a fait en 2007. Nous connaissons sa stratégie. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans une stratégie d'usure. Prendre le plus longtemps possible, le plus de temps possible, en espérant que l'opposition va s'essouffler. Et à faire, il va abattre ses cartes. Est-ce que vous pensez qu'il était possible pour la CENI de publier un calendrier électoral sans l'accompagner des contraintes à ce stade? C'est une question de sérieux, une question de responsabilité. C'est au gouvernement,
de prendre en charge ces contraintes-là, notamment les contraintes financières. Et de dire à la CENI, je suis en mesure de répondre à telle date. Je répondrai, je libérerai de l'argent. Je vais verser, je vais débloquer de l'argent. Et non, à la CENI, de les aligner comme ça. Et pendant ces temps, il n'y a pas de réponse du gouvernement. J'ai entendu les bons de la majorité réagir. Mais je voudrais bien que Bruno Tshibala ou Kabila lui-même réagissent, qu'ils nous apportent des réponses à ces contraintes. Mais ce qui est étrange, excessif, et c'est là le piège, et c'est là la mauvaise foi des Nanga. Est-ce que les lois sont une contrainte? Voter des lois. Est-ce qu'on peut vraiment inscrire ça comme des contraintes? Voter des lois. La loi sur la répartition des chaises. Est-ce que c'est une contrainte? C'est un acte normal. Ce n'est pas une contrainte, c'est un acte ordinaire. Quand il aura terminé l'enrôlement et qu'il aura apprêté son fichier électoral, en 2 ou 3 jours, cette loi va être discutée et adoptée. Ce n'est pas une contrainte. Comment est-ce que dans une république, voter une loi peut devenir une contrainte? Donc quelque chose de difficile à accomplir, quelque chose qui pèse sur les épaules. Ce n'est pas normal. Combien de lois ont été adoptées depuis le début de cette année, depuis le début de cette mandature? Et au jour d'aujourd'hui, adopter une loi en rapport avec le processus électoral devient une contrainte. C'est quand même curieux, ça. Ça veut dire que pour vous, c'est un calendrier d'apaisement? Il n'est même pas d'apaisement. Pour nous, c'est un calendrier à rejeter. Il a d'ailleurs été rejeté par les principales figures d'opposition, à commencer par Moïse Katumbi et ensuite Félix Tshisekedi. C'est clair, ce calendrier ne rencontre pas l'assentiment de l'opposition, ni moi encore de l'opinion congolaise dans sa grande partie. Donc c'est clair, la position de l'opposition, c'est des élections dans un délai qui reste dans les limites de l'accord. C'est l'organe technique qui dit élection décembre 2018. J'entends les gens le dire. C'est un organe qui est composé non, des techniciens. J'entends les gens le dire, des experts en matière électorale. J'entends les gens le dire, notamment à Tundu Lyungu, qui a amené Mobutu à la ruine et maintenant il cherche un peu à se refaire difficilement une santé financière. La CENI n'est pas l'organe technique. Une santé financière. Madame, nous sommes dans une situation très ambiguë. Il y a une constitution qui est claire sur les compétences des institutions, laquelle constitution a été violée. Par qui? Par Joseph Kabila. Ça nous a conduit à quoi? À un accord. Et il faut prendre en compte l'accord. C'est ça l'ambiguïté dans laquelle nous nous trouvons. L'accord et la constitution à appliquer au même moment. Madame, dans l'accord, il est dit quoi? Que la CENI est toute puissante, qu'elle décide seule, ou bien on parle d'une tripartite. Il y a eu tripartite, cette bien tripartite, entendu. Oui. Il y a eu une réunion du Palais du Peuple. Je suis sûr que tu l'as couverte, ouais. Cette tripartite. Ouais. Qu'est-ce que le communiqué final a dit? Un communiqué bateau, et vas-y, qui ne disait rien sur le procès électoral. Un chapelet d'intention. Rien n'était dit clairement. C'est donc à la suite de cette réunion. Non, ce n'est pas à la suite que la CENI. Non, ce n'est pas à la suite. En principe, comme là, il est question d'une prolongation, parce que le calendrier que la CENI nous propose induit une prolongation, donc jusqu'en 2018, ce n'était pas à la CENI, à elle seule, de décider. C'était à la tripartite, ce qui n'a pas été fait. Et l'homme de la tripartite lui-même, qui a le mérite d'avoir plus de cheveux que nous-mêmes, l'homme du CENSA, qui a le mérite de parler un français proche de Tété là, lui-même applaudit. Il applaudit ses calendriers. Non, on devait lui soumettre d'abord à lui ses calendriers, il devait donner son quitus. Il fait des réactions dans le média comme monsieur tout le monde. Ah non, il est patron du CENSA. Il devait d'abord lui examiner ses calendriers et enfin donner sa caution s'il accepte cette prolongation. Alors, qu'est-ce que vous faites? Que fait l'opposition maintenant? Rejeter le calendrier, oui, mais il faut quoi? Parce que la CENI a déjà dit son mot. C'est clair, nous travaillons. La CENI a dit la messe. C'est clair, nous travaillons pour une transition sans Kabila. C'est clair. Par quel mécanisme? Ah, cette question m'a été par posée. Quel mécanisme? Là, tu es la énième par journaliste. Quel bâtiment juridique la parce que non, la constitution que vous défendez ne prévoit pas une transition. C'est l'accord qui prévoit. Madame, quand Kabila a reculé sur sa loi électorale, qui était déjà passée à l'Assemblée nationale, et il a reculé là-dessus au niveau du Sénat, c'était par quel mécanisme? Quel est le mécanisme qui avait poussé Kabila à abdiquer? C'était une abdication. S'il n'avait pas abdiqué ce jour-là, il perdait son pouvoir. C'est le même mécanisme qui sera mis en œuvre. Mais entre vous, ça veut dire que le MLC est partant pour une transition avec Joseph Kabila. Ça veut dire que je respecte la vous... position du MLC. Ouais. D'ici à ce que l'harmonisation qui est en cours se termine, si le MLC maintient cette position, tant mieux. Ceux qui sont favorables à une transition sans Kabila, ils travailleront avec le peuple. C'est vraiment clair? Personne n'impose cette position à un médecin. Je respecte la position du médecin. S'il n'est pas d'accord, nous y travaillerons sans les médecins. C'est clair.
Hakim Kebaï, merci beaucoup. Hein, et donc voilà, on a. Vous voyez, merci, merci à vous. Bah, allez, au revoir, merci. Ça, c'était juste la petite interview. Okay. Ben, retrouvez-nous sur actualité.cd, numérique actualité. C'est pour quand déjà? Non, mais ça dépend pas de moi. Ça dépend de qui? Moi, je ne me fais pas inviter, c'est toi qui m'invites. Bon. Quand tu veux, quand elle veut, elle me l'a dit et je serai là pour vous. Allez, bye bye. Ok, bye bye. Merci. Merci.